Sur La Rochelle, ben, il fait toujours beau, c'est génial. Ça donne envie vraiment de partager. Donc voilà, c'est pour ça que je suis devant vous ce matin. J'espère qu'il fait tout aussi beau chez vous et dans vos cœurs. J'ai vu qu'il y avait des gens du Canada qui regardaient mes vidéos. Wow, sérieux. Canada, Belgique, les Français bien sûr, vous êtes les premiers. Mais Belgique aussi, Suisse, Espagne. Et la Réunion. Alors, même si vous restez 3 secondes 25, merci, ça fait trop plaisir. En fait, je m'aperçois que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Faut pas être dans l'attente. Voilà, surtout rien attendre. Ce qui fait que quand on reçoit, eh bien, ben, voilà, c'est comme un enfant qui découvre quelque chose. Waouh, ça égaye la journée. Un petit message à à Florence. Je t'ai envoyé un petit message avec mon adresse mail. C'est quand tu veux, hein. Même dans un mois, si tu le souhaites. Voilà, je me rappellerai. Et puis aujourd'hui, eh bien, j'ai fait sauter les messages parce que je ne savais pas du tout de quoi j'allais vous parler. Et en les faisant sauter, je me suis rappelée deux conversations que j'ai eues ces jours derniers avec deux personnes différentes et qui étaient dans le même état d'esprit. Que j'ai connu aussi il y a quelques jours avant la pleine lune du 8 novembre. Et c'est de se poser la question à un moment donné, malgré la foi que j'ai en moi, puis-je accepter cette période de doute? Vous voyez? On sait, on a compris que tout autour de nous, il y avait quelque chose de formidable. Qu'on attribue le haut nom qu'on veut, celui qui nous fait vibrer, ça peut être l'univers, ça peut être la source, ça peut être Dieu, ça peut être le divin, moi j'aime bien l'appeler le divin, et la source aussi. Puis univers également, parce que univers, quand vous décomposez ce mot, c'est être uni vers ce qu'on a à vivre, vers la lumière et vers l'unité. Voilà, nous ne faisons qu'un. Et comprendre ben, qu'on est les co-créateurs de notre vie. Donc quand on a des phases où on descend voilà, un petit peu dans les abîmes, où on doute de soi, de ce qu'on s'est, comment dire, créé et qu'on a reçu parfois, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens, mine de rien, mais qui n'en parlent pas, qui ont des appels de la source. Ah, vous voyez, je l'appelle la source. Et donc, c'était pendant que je battais mes cartes. Et la seule carte qui s'est retournée du message des galets, c'est la carte de la sagesse. Et ça me ramène carrément à cela. Parce que quand on est en période de doute sur nous-mêmes, sur la source, malgré notre éveil spirituel qui est dans la recherche de notre profondeur de qui nous sommes, vraiment, en transparence, eh bien, c'est de comprendre que cette carte de la sagesse, ben moi, elle me ramène à Marie. Parce que Marie, quoi de plus sage que Marie? Elle nous apporte justement ben, cette sagesse de comprendre qu'on peut, comment dire, être celui que nous devons être. Elle est forte, cette phrase-là. Parce que si on devait, à la limite, pour être bien, se rappeler qui nous sommes dans nos périodes de doute, c'est de se dire, je dois être celui que je suis. Et si j'ai choisi d'être ben, quelqu'un de bon dans l'empathie, dans le partage et pas dans la compétition, vous voyez, mais plutôt dans la collaboration, de comprendre qu'on ne fait qu'un. Et que on peut regarder justement avec la sagesse, ben moi ça me fait penser au miroir de l'âme. Ça me fait penser de pouvoir regarder en l'autre, de voir que la personne qui est en face de moi, même si elle n'est pas dans les mêmes vibrations que moi, être un être à part entière, unique, avec qui je ne fais qu'un. Reprendre confiance en soi quand on perd un peu de sa foi, c'est pas qu'on perd de notre foi, c'est pas qu'on se dit mais tiens je suis plus connectée à la source, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pourquoi la source m'a quittée, mais la source ne nous a pas quittés à aucun moment, elle est toujours là, c'est nous
qui sommes descendus en vibration et sans nous en rendre compte. Notre personnalité, notre mental, à un moment donné, a trouvé une petite faille. Une toute petite faille, s'est infiltrée dedans. Toujours se rappeler que c'est pas la source qui nous a quittés, que c'est nous qui sommes descendus. Et c'est par l'amour et la sagesse de pouvoir se regarder en notre âme. Voilà, c'est ça. En notre âme. Pour toujours se rappeler que la source, elle est là à chaque instant. Et nous pouvons, par notre force et notre volonté, remonter à la fréquence où on est connecté. Un autre petit truc aussi que j'ai fait moi-même, hein, comme je vous le dis, je ne parle que de ce que je connais, c'est d'écrire. Et quand j'ai eu ma révélation, eh bien je l'ai mis sur papier. Et je l'ai mis dans une petite boîte, moi j'adore les petites boîtes, de toutes les couleurs, de tous les matériaux, j'adore, depuis toujours. Et donc en fait, il y a plein de secrets dedans. Quand je vais partir, mes enfants, quand ils vont faire le nettoyage de la maison, entre les petits mots dans les petites boîtes et les lettres dans les livres, etc. Ils vont avoir de la lecture jusqu'à la fin de leur jour. Eux qui disent pas. J'ai noté cette connexion à la source que j'ai sentie, avec laquelle j'ai vibré, pour ne jamais l'oublier. Vous voyez, je disais à un ami l'autre jour, justement, qui me posait cette question, mais es-tu au courant que, à un moment donné, tu vas perdre pied sûrement, justement, de trop de spiritualité. Alors, moi, je dirais, la spiritualité, moi, je la respire. C'est-à-dire, je respire l'amour. Hein. Voilà, spiritualité égale amour. Bon, recherche de ma vérité, j'affronte tout ce que j'ai à affronter et je le dépasse, toujours en me rappelant que j'ai réussi jusqu'à aujourd'hui à dépasser tellement d'épreuves que c'est pas ce qui va m'arriver là, maintenant, qui va m'écrouler. Elle va m'écrouler, hein, peut-être 2 jours, 3 jours, voire plus. Mais je sais que je vais me relever, ça c'est une certitude. Je ne pourrais pas vivre pire que tout ce que j'ai vécu. Mais comme je vous l'ai toujours dit, je n'enlèverai rien de ma vie. Toutes ces épreuves m'ont fait grandir. Et je n'oublie pas non plus que c'est moi qui les ai choisies jusqu'à temps que je comprenne la recherche de notre vérité. Et donc cet ami me mettant en avant hein, quand même que c'était un facteur risque qu'à un moment donné je fasse peut-être même une overdose, vous voyez, de spiritualité. Alors j'en suis tout à fait consciente. C'est pour ça que j'aligne ma spiritualité que je respire, voilà, à ma vie. Et c'est en cherchant à faire que ce qui me fait vibrer, qui des fois n'y a pas à parler de spiritualité, il y a juste à la vivre avec ce qui me fait vibrer. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui risque de m'arriver. Mais du fait, je suis maligne quand même, puisque j'ai écrit ce que j'ai vécu de connexion avec la source, je sais qu'à ce moment-là, c'est ce que je lui disais d'ailleurs, j'irai relire ce que j'ai écrit. Parce que ça m'est arrivé, comme ça vous est arrivé, ne l'oubliez jamais. Et c'est ça qui vous permettra, vous, qui êtes descendu de fréquence et qui pensez que la source n'est plus avec vous, de pouvoir remonter en vibration et pouvoir vous réaligner avec la source. Je dis vous parce que je n'ai pas du tout envie que ça m'arrive. Mais ça m'arrivera bien. Mais j'irai ouvrir mes petites boîtes à secrets et j'irai relire cela. Et ça m'a ramené justement, et je lui ai rappelé, à une femme que j'adorais quand j'étais enfant, qui est Mère Teresa. Hein, pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'éducation religieuse, j'avais toujours Marie avec moi et Mère Teresa. Et Mère Teresa, si j'ai bien compris sa jolie histoire de vie, elle a vu Dieu. Elle l'a entendu.
Et le restant de sa vie, elle est restée jour après jour à ne pas comprendre pourquoi elle ne l'entendait plus. Aujourd'hui, elle sait. Elle sait que elle a eu cette chance infinie, prodigieuse, miraculeuse de l'entendre. Une fois, certes, mais quel cadeau! Il ne fallait pas attendre plus. Et c'est pour ça que souvent je vous parle de ça, de ne pas rien attendre des autres. Ce qui nous permet d'être dans le non-jugement. Ce n'est pas sauter du coq à l'âne, c'est poursuivre la route, poursuivre le chemin. Et c'est en comprenant cela qu'on peut se relever en vibration et repartir connecté. On a le droit, n'oublions pas que même si nous sommes des divines humains, nous sommes malgré tout humains. Donc nous avons le droit de nous laisser aller, à nous de savoir que ça ne doit pas durer. Qu'on a tout en nous, toute la force en nous pour nous relever. Voilà ce que m'inspire la carte de la sagesse. Wow. C'était fort le message que je vous ai passé là. Donc je vais vous lire ce qu'Élodie s'est laissée inspirer par ce galet. La sagesse. J'ai la sagesse et l'humilité de reconnaître ma véritable nature qui est spirituelle. Ma conscience, mon je rempli de mon je suis, m'inspire en permanence pour créer ma vie dans la joie et la simplicité, dans la famille de la lucidité. Quand on a réussi à ce que le je, je vais l'interpréter comme notre personnalité, voilà, s'est fait entièrement ami par notre je suis qui est notre esprit divin, on avance dans la joie et la sérénité et dans le partage, donc dans l'unité. On en revient toujours là, à chaque fois. L'unité, un mot à ne pas oublier. Voilà. Avec, je suis allée chercher donc notre énergie, avec l'oracle d'effet papillon, l'énergie du jour, pour tous ceux qui sont concernés par cette chute, qu'on a en nous et parfois même en la source. Ne nous sentons pas coupables. Hein. Ça, c'est le non-jugement. On se sent coupable de rien. Ça fait partie de la vie. On a cette chance d'être dans la matière. Et parfois, c'est vrai que la vie nous bouscule et on trouve ça dur. Dur parce que parfois, on trouve qu'on ne mérite pas. Mais si on le vit, c'est qu'on a encore quelque chose à apprendre toujours et encore pour toujours évoluer. Et ça sera jusqu'à la fin de nos jours. Parce qu'on ne va pas se contenter uniquement de ce qu'on a compris, là. On va monter encore en puissance. De toute façon, ça bouge. Hein. Ça bouge de partout. Même les gens qui n'osent pas se l'avouer sont malgré tout à la recherche d'eux-mêmes. Hein. Voilà. On y va. Pour l'énergie du jour, la planète qui nous accompagne, et puis le petit message complémentaire. Et nous avons le blizzard. Blizzard. Froid, le glacial. C'est une forte connexion à la source. On avance, quoi qu'il arrive. On est déterminé, on y croit. Bim, bam, boum. La planète qui nous accompagne, eh bien, ça va tout à fait avec. C'est la Pallas Athéna. Elle a enlevé son masque, regardez. Elle y va avec détermination. Pallas Athéna, elle ressemble ni à son père, ni à sa mère. Elle ressemble à elle, à qui elle a décidé d'être, avec toutes les parties divines qu'elle a en elle. Elle y va avec détermination et personne ne pourra la détourner de son chemin. Oh, carrément concordant. Et le message complémentaire, nous avons le masculin. Bah oui, c'est l'énergie extérieure, c'est le temps de passer à l'action. Croyons-nous. Je crois que ça revient à chaque vidéo. Hein. Mais c'est toujours ça qu'on nous demande, hein. De comprendre que tout est en nos mains et qu'il n'appartient qu'à nous d'avancer, de reculer ou de stagner. Mais nous, on avance, on y croit. Avec l'oracle de la mission de vie de Jenna Blonson, tu as une grande sensibilité. C'est un don, hein. La sensibilité, c'est quelque chose qu'il faut travailler et pas justement apprendre des énergies extérieures sur votre dos. Vous devez comprendre que c'est cette sensibilité que vous avez, que nous avons, parce que moi je m'englobe là-dedans, qui nous permet la clairvoyance. Comme je vous l'ai dit, c'est une faculté.
Laissez-vous guider par votre intuition. Ça comprend la clairaudience, la clairvision, la clairconnaissance et la clairsensibilité. Faites de cette sensibilité votre force pour mieux comprendre vous-même et votre prochain. C'est une force, pour moi c'est une force. Et beaucoup la prennent un peu comme un poids. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas compris comment justement vivre avec cette sensibilité parfois exacerbée que nous avons, nous prenons les énergies des autres, le malheur des autres. Au lieu d'être dans l'empathie, voilà. L'empathie, c'est avoir du cœur, hein. Mais je comprends ce qui t'arrive. Je peux te soutenir, mais je ne peux pas le vivre. Ma fille est une extrasensible. Et donc, c'est, je pense, ce qu'elle a travaillé très fortement pour pouvoir s'en faire sa force au lieu d'en faire sa faiblesse. Comprendre de toute façon que toutes les faiblesses que nous avons, ben, c'est notre force. Vous savez, il y a l'ombre et la lumière, hein, et la lumière remporte toujours. Et bien, quand on a une faiblesse, on a une force. Et bien, il faut renverser cette faiblesse en force et comprendre que c'est un don de la nature qu'on nous a donné d'être sensible. Donc ça nous dit comme ça, tu es d'une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qui est importante de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Voilà, ça va avec ce que je ressentais, comment j'interprète ce message. On a les archanges, j'aime bien. Donc nous avons l'archange Gabriel avec l'innocence de l'enfant. Changer notre regard. Tout regarder d'un œil neuf chaque jour. Et toujours en essayant de trouver quelque chose de plus beau à cette chose, ce tableau qu'on regarde, ou cette pierre qu'on regarde tous les matins, ou cette personne. Gabriel, c'est la force et c'est l'intuition. Servez-vous de votre sixième sens et faites-en votre premier sens. C'est Dieu et ma force. Voilà, on parle beaucoup de force, hein. Force intérieure, de force d'amour qu'on a en nous, qui doit de toute façon nous ramener à la beauté de ce qui nous entoure. Rappelons-nous que chaque jour, c'est nous qui décidons de comment va être notre journée. Voyez, vous pouvez vous réveiller un matin où, ben comme aujourd'hui, il fait super beau, et là je regarde dehors et qu'est-ce que je vois? Je vois deux oiseaux qui volent, c'est merveilleux. Bah, moi qui suis dans les signes et tout ça, je ne vous dis pas, ça m'enchante. Et que, voilà, donc ça commence bien, ma journée commence super bien. Et qu'un coup de téléphone, on vous annonce quelque chose qui ne vous convient pas. Et puis, votre journée, il a beau faire beau, vous ne voyez plus le beau, vous êtes dans le gris. Mais comprenez bien que dehors, il fait toujours beau. Et que c'est nous-mêmes qui mettons le gris dans notre vie. On est les créateurs de notre vie et de notre équilibre et de nos pensées et justement de notre bien-être. C'est important ce que je vous dis. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Ah ouais, j'insiste, voyons tout avec le regard d'un enfant, regardez comme il s'émerveille sur tout, parce qu'il connaît rien, parce qu'il est dans le lâcher prise, parce qu'il a complètement confiance, il a confiance en nous, en ce qu'on lui dit, en ce qu'on nous disons, dans ce que nous montrons, il a confiance. Pourquoi? Parce qu'on a 58 berges, on ne peut plus regarder les choses avec un regard d'enfant. Parce qu'on est adulte, bah justement, hein, peut-être qu'il nous est demandé de redescendre de notre monde d'adulte pour redevenir justement une âme d'enfant pure. Ah, je savais qu'il fallait que je fasse une vidéo aujourd'hui, bon voilà. Deux cartes ont sauté de leur miroir, j'aime bien, ça parle toujours à quelqu'un. On a 19h19, l'écoute, et on a une heure inversée, 20h02, retour du passé.
L'écoute, ben oui, hein, savoir s'écouter. Deux oreilles, une pour s'écouter soi-même, hein, et pas t'es bonne à rien, lâche l'affaire. Et mais plutôt, voilà, en positive, t'es une belle personne, crois en toi, crois en toi. N'attends rien, et tu seras donc déçu de rien. Et puis l'autre oreille pour écouter notre prochain. Soit l'écoute de tout ce que tu entends. Si à un moment donné, tu allumes la radio et c'est une chanson de ton père, ce que je vois, Retour du passé, donc voilà, et que ton père, il est parti depuis des années, là. Ah, génial, c'est un message de mon petit papa. Ouais. Ça nous dit comme ça. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion et puis lance-toi. Ouais, ça vous parle, hein, aux personnes qui sont... interpellés par cela, c'est qu'ils ont quelque chose à faire. Alors, on vous demande d'abord de vous poser pour pouvoir le faire en pleine conscience. Voilà, c'est cela. En plein accord avec vous-même et sans attente. Donc, vous ne serez pas déçus. Et si nous avons confiance en nous, nous sommes aidés par la source puisqu'on est dans la positivité. On est dans les bonnes énergies, les bonnes ondes. Et donc, retour du passé avec 20h02, une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens, de manière plus positive. Peu importe que ce soit un amour que vous avez eu, une amitié, un lien de famille, une sœur, un frère qui revient, un parent, une tante, enfin bon bref, vous avez compris. Être toujours dans la confiance et dans la sagesse de pouvoir regarder dans l'âme de la personne et d'accepter bien sûr que si nous avons évolué dans notre chemin de vie, et bien la personne avec qui à un moment donné ça a coupé les ponts a pu évoluer elle aussi. Et donc on repart sur un nouveau chemin. Voilà. Savoir écouter son intuition, son corps. Savoir comprendre qu'on n'est qu'un avec nous-mêmes et donc qu'un avec les autres. J'ai terminé sur cette vidéo avec cette phrase qui me parle énormément et qui est « Sois celui que tu es ». C'est valable pour moi aussi. Hein. Et si on a décidé d'être que lumière, ben, voilà, soyons que lumière. Reprenons confiance en nous. Comprenons que la source, elle est toujours là et que c'est nous qui descendons en vibration. Marquons, notons tous les signes miraculeux qu'on a pu recevoir pour ne jamais oublier au moment où on descend. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Ah oui, je voulais dire, j'ai mis ça parce que ça vient de mon père à ma mère à moi. Toutes les vérités sont là. Toute la vérité est là. Dans les pyramides. Khéops, la grande pyramide, a tout le savoir, toute la connaissance. Ils avaient tout à cette époque-là. Tout. Ils connaissaient tout. Et ils nous ont laissé un livre ouvert d'informations, d'amour, de lumière. Et n'oublions pas, d'unité. Voilà les amis, merci pour vos likes, vos messages. Merci à tous ceux qui s'abonnent, c'est génial. Et je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Croyez en vous, toujours, tout le temps. Au revoir.